Ça y est, c'est reparti pour une autre semaine d'infotainment dans la télé d'ici de ce lundi soir. Le 7e art et la musique se rencontrent avec deux garçons qui ont énormément de choses en commun. Le talent, la beauté physique, le succès, des millions de vues sur la production cinématographique et musicale. Et puis par ailleurs, on m'a dit qu'ils étaient aussi férus de sport. Donc peut-être que l'émission de ce soir aura des allures de course ou peut-être de match de foot. On verra. Mais en tout cas, pour les décrire, je dirais que l'un d'entre eux a les pieds bien sur terre. Terence Amadi Touré. Et puis, l'un d'entre eux, par contre, nous fait décoller de la terre avec son carburant, c'est Kérosène. Ils ne seront pas seuls. Évidemment, il y aura de la magie ce soir avec Mécène qui nous jouera encore une fois l'un de ses tours. Sonia Ghisa, ma Sonini, fils unique, le public toujours aussi chaleureux dans ce public. La Tibone qui peut-être accompagnera Kérosène à la fin de cette émission. Et puis vous qui nous suivez de votre position, bienvenue, bonsoir dans la télé d'ici pour ne rien rater de l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir. Ce programme vous est présenté par Lunacy Online. Bonsoir à tous et bienvenue dans la télé d'ici pour ce lundi. Les lundis, ça ne pardonne pas. En tout cas, on espère que pour ce soir, on vous permettra d'entrer très bien dans le jeu de la semaine. Moi, ça va. Toi, ça va? Ça va. Ok. Si toi, ça va, moi, ça va. Ça va, super. Alors, je voulais un petit peu présenter ce soir notre invité, c'est Terence Amadi Touré. Je pense que tout ce que j'ai dit était un petit peu vrai quand même, Terence. Exactement. Exactement. Beauté, talent, succès, des millions. Quand j'ai dit millions, tu t'attendais à un million de... Non, je m'attendais à rien, j'attendais la suite seulement. Ça va? Ouais, ça Bienvenue va. Bienvenue à Abidjan. Ouais. Finalement, c'est chez toi. Hein. Ouais, c'est pas ta première fois. Abidjan m'accueille toujours bien, donc c'est comme ma deuxième maison finalement. Aha, ah, voilà. Ouais. On est toujours aussi ravis de t'avoir avec nous. Merci. On a aussi ce public chaleureux toujours avec nous. Bonsoir. Alors, j'ai vu Terence dans Eki. Pour la première fois en tout cas. Ouais. Et je me suis dit, tiens, mais voici le nouvel Leonardo DiCaprio africain. Waouh! C'est vrai? C'est vrai qu'on te dit ça souvent ou pas? Mais c'est la première fois qu'on me le dit, on m'a déjà parlé de Brad Pitt. Ah. Mais on m'a dit Brad Pitt noir, mais Leonardo DiCaprio, c'est encore un super level. Ça. C'est vrai? Super, carrément. Surtout qu'il vient de sortir un gros projet avec Scorsese et tout ça. Mais ouais. On parlera cinéma. Sonia, c'est là. C'est la spécialiste du cinéma. C'est vrai? Bah évidemment, Sonia, ah. Arrête! Arrête! Si tu le dis, ok. Arrête, évidemment, comme je l'ai annoncé, il y aura de la magie, il y aura aussi Fils unique. Mais on se fait un petit flashback, yes. Quelques jours en arrière, avec la prolongation. Il y a eu pas mal de choses que vous avez peut-être ratées ou que vous voulez peut-être revoir. C'est le sujet de la prolongation, on y va, So? Yes. Dans le rétro, bad boy de mon niveau, rien à foutre de love. Foyabone dans la neuse, poutasse dans la gauve, ça claque dans tous les clubs. La 8 pour surmonter les coups, la 8 star ça s'appelle. Flash, t'as paru, t'as chamboulé, bouleversé. Les faux amis, les aigris, ce que j'appelais ma famille. J'avoue que t'as tout changé, au début j'ai flippé. Avant de réaliser tout ce que t'as ramené. Business class, plus de trophées, plus de cash, plus de fans, plus de likes, plus de jaloux, plus de fake. Oh, ça parle, mais jamais je descends. Je multiplie les chiffres et ça c'est depuis que t'es venu. Arrive. Every day we seek it to the new things. Another vibe to control. Today we don't have time for small things. And you should can Joey. Qu'est-ce qu'on nous a pas dit quand on a fauté? De tous les noms on nous a traités. Jamais on a voulu se justifier. Tout en sachant que la loupe va tourner. On a poussé jusqu'à hey. Oh, on a démarré. Poussé jusqu'à démarrer. Oh, oh. Je
aujourd'hui nous on a démarré. Et donc c'était un petit peu le recap de l'émission avec Ariel Chenet qui nous présentait deux titres sur la scène de la télé d'ici. Ariella, en hommage à sa fille qu'il aime beaucoup, qui a beaucoup changé de choses dans sa vie, et aussi Démarré. Je sais pas danser, mais je sais que c'est comme ça qu'il faisait. Tu connais Démarré. Je connais Ariel Chenet. Mais tu le fais bien, tu le fais bien, je trouve. C'est vrai. Et c'est vrai. Non, c'était comme ça. Je ne maîtrise pas, moi. C'est pas bon. Ce que tu maîtrises, par contre, c'est le sport, mais aussi le cinéma maintenant. Alors dis-moi, si le cinéma devait être un sport, ce serait quoi? Le sprint, le marathon, la course relais, qu'est-ce que ce serait? Je pense que ça va regrouper un peu tous ces sports-là. D'accord. Parce qu'il y a, certains moments où il faut sprinter, effectivement. Mm-hmm. Mais ça reste quand même un sport d'endurance, mm-hmm. où il faut persévérer. Donc je vais plus le comparer, on va dire, à un marathon. Mm-hmm. Un bon marathon, mais avec un bon sprint à certains moments, tu vois. Très bien. Où il faut vraiment être focus à ce moment-là pour faire le bon sprint, tu vois. Il y a des valeurs qui se rejoignent quand même entre le sport et le cinéma. Énormément. Je fais énormément de parallèles entre le sport, notamment le sport de haut niveau que j'ai pu pratiquer un petit peu. Mm-hmm. Et le, comme sport, c'était de l'athlétisme. Okay. C'était de l'athlétisme. Et du coup, il y a beaucoup de parallèles, notamment au niveau de l'entraînement. Parce que acteur, tu t'entraînes quotidiennement, mm-hmm. comme pour le sport. En athlétisme, il fallait s'entraîner. Il y a le moment où tu montes sur scène, c'est la même chose que quand tu rentres en piste. En starting block. C'est la et même tout. Chose. Et tu vas ressentir le même stress, la même adrénaline. Donc moi, je fais beaucoup de parallèles. Et parfois, quand j'ai des difficultés, eh ben, je me rappelle de ma période de sportif. Et ça m'aide justement à surmonter les difficultés, parce que j'ai connu tellement de difficultés et d'échecs. C'est de challenge, on va appeler ça challenge ou défi en fait. C'est ça, c'est un challenge carrément. Et un défi permanent en fait. Mm-hmm. Ces deux métiers-là, c'est toujours, t'es toujours dans le défi, dans le challenge, et il y a beaucoup de monde pour peu de place. C'est vrai. Et ben après, c'est à toi de faire le nécessaire. Et si tu fais le nécessaire, le nécessaire pour le réussir ce que travail, tu veux, en fait, être prêt. Après, t'as rien à te reprocher. Et puis après, ça va arriver s'il le faut. Mais comment se fait le switch de l'athlétisme à l'actorat? C'est parce que ça ne marchait plus là-bas, comme on dit chez nous? Pas bien, du tout. C'est parce que ça marchait tellement, tu avais tout accompli, donc tu as décidé de devenir acteur? Eh bien non, c'est très différent. Alors moi, j'ai toujours eu deux passions. C'était donc le sport et le ciné. Mais j'avais gardé... Peu de personnes savaient que j'avais cette passion du ciné. Vraiment très peu. Mais je l'avais en moi. Et ma carrière, c'est différent, parce que j'étais très doué en athlète. Et comme je n'avais pas la rigueur nécessaire, je dépassais pas... Vas-y, explique-nous, tu n'avais pas la rigueur nécessaire, comment? La rigueur, c'est quoi? Il faut s'entraîner. Et tu ne t'entraînais même pas, qu'est-ce si que tu faisais entre-temps? Je faisais ma vie de jeune. Voilà. C'est pas le truc, même si je t'appelle... On dit qu'il était dans les yaya, les PA. Il faisait le PA. Tu faisais les gigas et tout. Il y avait un peu de ça. Et quoi. Ça t'a rattrapé. Mais c'est ça, mais après tu peux pas aller loin, même si tu as du talent. Lionel Messi, c'est le plus doué du football, mais il est obligé de s'entraîner. Je crois que les gens de Cristiano Ronaldo vont chauffer le live. Moi, il n'y a pas de souci, moi je suis un gars de Cristiano Ronaldo, donc je serai avec eux. Mais donc c'est ça le truc. Et par contre, le cinéma, du coup, j'ai retenu la leçon. Mm-hmm. C'est-à-dire, vu que je ne m'entraînais pas pour le sport de haut niveau, là, je sais qu'il faut que je m'entraîne H24, que je sois rigoureux. Donc, puis il y a la maturité avec l'âge. Tu fais pas les mêmes erreurs que quand tu étais petit, quand tu étais jeune. Mm-hmm. Donc voilà, c'est ça la différence. Mais j'ai toujours eu cette passion du cinéma en moi. Où est-ce qu'on réussit le plus tôt? Où est-ce qu'on glane très vite des lauriers? Dans le sport ou dans le cinéma finalement? Où est-ce qu'on a le plus rapidement possible la satisfaction, la reconnaissance? Je pense qu'il n'y a pas de règle. Ça dépend des cas particuliers, ça dépend des personnes. Moi, en athlétisme, c'est vraiment, comme je l'ai dit, j'avais un talent pour ça. Donc, j'ai vite remporté les médailles. Par contre, je me suis vite limité. Parce que quand j'étais face à des gars qui s'entraînaient tous les jours, du lundi au dimanche, je ne faisais pas long feu. Ouais. Alors que le cinéma, c'est différent. C'est vrai que je suis content de ma carrière parce que je ne suis pas non plus un très ancien acteur. Hein. J'ai commencé en 2010. C'est super récent. Et j'ai déjà remporté des prix. Ça fait 13 ans. J'ai déjà été nommé. Et donc, je suis vraiment très honoré de ce qui m'arrive. Donc, hein. Des prix. Vraiment, tout, ouais. Pas mal du tout, justement. La carrière, on va en reparler tout à l'heure. Je propose qu'on aille faire un medley, un petit patchwork de tout ce que tu as fait entre-temps, okay. Terence. Okay. C'est le medley. Lieutenant Hondo, désormais vous ne ferez que ce que je vous ordonne de faire. Il y a eu un incident dans l'hôpital. Personne n'est autorisé à sortir tant que la police n'est pas arrivée.
Je viens juste avoir les résultats. Selon le docteur, ce n'est pas normal. Selon les caméras de surveillance, il n'y a que vous qui êtes entré dans cette chambre. Je crois que vous allez trop loin, monsieur le procureur. Madame Nyonda, avez-vous un rapport avec l'AVC de votre mari ? Qu'est-ce que je dois comprendre par là ? Mais comprends ce que tu veux ! Parle-moi clairement si je commence à en avoir assez de tous tes sous-entendus ! Mais t'as un brin de retard ? Jamais tu t'avises de me toucher ! Sinon quoi ? Je peux être aussi diabolique que toi. Tu te surestimes en te mettant à mon niveau. On verra bien. On verra bien. Pour reprendre un petit peu la voix de Sonia, mais quel acteur ! Très belle expérience, et qui, essentiellement, qu'on a vu aussi... Pardon ? Mais qui, je crois, il a joué avec tous les grands noms, en fait, du cinéma. Ah, il y avait des grands noms. C'était le premier rôle sur le continent ? Exactement. Et là, il se retrouve premier, avec... Mon premier projet sur le continent, il y avait Fargas à Sunday, il y avait Mounanja, il y avait Serge Abessolo. Ça fout la pression, ça ? Ah, vraiment. Et puis j'étais très honoré, en fait. Parce que, du coup, j'étais au quotidien avec ces grands acteurs qui m'ont apporté leur expérience et tout. Puis j'ai passé vraiment des moments très agréables. Il y avait une superbe ambiance dans le tournage d'équipe entre tous les acteurs. Et puis il y en a qui sont devenus mes amis proches aussi, donc parmi les acteurs. Qui ça ? Il y a Joachim Tivoku, qui jouait pourtant un de mes ennemis. Et l'autre ennemi aussi, Roger Sala. Mm-hmm. On est toujours en contact, les deux. Et puis il y a Isabella Maya aussi, on a gardé des bons contacts. Si, j'ai vu sur la page de Terence Isabella Maya et tout. Ouais. Comment tu l'appelles déjà ? Isabella Maya ? Ta sorcière Non, la greffière du Congo, c'est ça. Mais alors, tu as commencé, tes premiers rôles, c'était sur le continent européen. C'était, voilà. Ouais. Si tu devais comparer sensiblement, faire encore une fois le parallèle entre cinéma tourné en Europe et tourné en Afrique, hein, qu'est-ce que tu dirais ? J'ai l'habitude de dire qu'on va trouver des points positifs des deux côtés. C'est-à-dire qu'en France, on va avoir... Souvent, il y a plus de moyens, c'est vrai. Il y a plus d'infrastructures. Mais moi, ce que j'ai vraiment remarqué dans mes premiers tournages en Afrique, c'est qu'on est beaucoup plus débrouillard. C'est-à-dire que même si on a une galère sur un tournage, on va vite trouver la solution. Il y a moins de moyens, mais beaucoup plus de solutions trouvées et rapidement. Et malgré un temps réduit. Donc c'est ça que j'ai remarqué. Donc peut-être moins de moyens, mais beaucoup plus de réactivité, notamment au niveau de l'équipe technique. Et par contre, l'équipe technique, ce qui est bien, c'est qu'ils sont... Ils sont prêts à apprendre, toujours à apprendre. C'est vrai qu'on est dans la professionnalisation de ce métier. Et on voit au fur et à mesure que ça se professionnalise de plus en plus. Et l'équipe technique, ils cherchent à apprendre le plus facilement, le plus vite possible. Et justement, parlant de professionnalisation, tu as tourné avec un grand comme Luc Besson dans le film Anna, c'est énormissime. Grave. Alors, est-ce qu'ici, on a le même niveau de performance, et d'exigence, moi, j'ai envie de dire aussi. Il y a des grands réalisateurs ici, il y a des grands réalisateurs sur le continent africain. Donc non, je pense qu'on n'a rien à envier. Après, Luc Besson, c'est vrai que c'était, pour moi, j'étais très fier parce que j'étais très récent dans le milieu. Mm-hmm. Donc quand c'est arrivé, et puis en plus, l'histoire, c'est que c'était un rêve de ma mère en plus. Ça, c'est vrai que c'est un rêve de ma mère que je tourne avec Luc Besson. Et le premier tournage que j'ai fait en cinéma, c'était Luc Besson. Et puis c'est lui, Luc Besson, ce qui est bien, c'est que même s'il est réalisateur, il aime se mettre à la caméra parfois. Et donc lui, c'est lui qui m'a filmé sur le plan et tout, qui m'a donné des conseils. Et je pense qu'on va être amené à rebosser ensemble, je le sens. Ça, j'espère, mais pendant ce temps, tu tournes beaucoup en Afrique, il me semble, hein, tu me corriges si je me trompe. Un peu des deux. Est-ce que c'est un retour aussi sur le continent africain ? Parce qu'on assiste à ça aussi au niveau des acteurs noirs qui tournent en Europe et qui ont leur place ici, en Afrique. Il y a un retour, il y a ce retour-là aussi. Est-ce que c'est définitif pour toi ? Est-ce que c'est C'est vrai que quand Eki est arrivé, ça tombait au bon moment parce qu'au fond de moi, j'avais toujours cette envie, quoi qu'il arrive, de tourner sur le continent africain. Et quand il y a eu cette opportunité, mais je me suis vraiment senti vraiment un bien-être en moi, parce que c'était nécessaire pour moi de revenir, on va dire, aux sources. On dit souvent, pour savoir où tu vas, sache d'où tu viens. Et moi, je savais que j'avais des choses à faire sur le continent africain, je le savais. Et donc, quand j'ai eu l'opportunité de Eki, là, il y a eu un bien-être en moi. Et puis après, les projets se sont succédés. Mais je pense que je vais continuer à aller là où le vent m'emmène, en fait. Mais en ce moment, c'est vrai que j'ai pas mal de beaux projets. Et là où l'argent l'emmène aussi, non ? Il y a l'argent, mais il y a les beaux projets aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'argent en Europe. Il doit avoir quoi pour te faire un projet ?
Comment ? Qu'est-ce qui doit avoir pour te plaire un projet ? Moi, j'aime bien un beau rôle. Un bon c'est rôle. C'est-à-dire, c'est quoi un beau un rôle ? Un bon rôle, c'est là où. En dehors d'avoir une belle partenaire. Ah, parce que dans tous tes rôles, tu as de très belles partenaires et tu. Je suis gâté. Mais beaucoup trop. Ouais, c'est vrai. Oui. Mais je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est le hasard qui a fait ça. Mais moi, pour moi, un bon rôle, c'est surtout avoir des choses à démontrer, des choses à jouer, et pas forcément un rôle qui me ressemble. C'est quoi ces choses hein? Ben, aller chercher au plus profond les côtés sombres. Moi, j'aime bien justement jouer Les rôles d'arc. Même un méchant. J'adorerais jouer un méchant. C'est vrai que là, on m'a proposé plus des gentils, mais de plus en plus, on commence à me proposer. Ouais. On a vu avec Isabelle, hein, le gars n'est pas un gentil 100%. Et ça, j'adore jouer ça. Est-ce que tu accepterais un rôle où ton physique n'est pas mis en avant ? Parce que qu'on le veuille ou pas, dans tous tes rôles, il y a... Et je l'aimerais justement, c'est ça. J'en parle. Ouais, j'aimerais ça justement. Parce que moi, je suis vraiment de l'école des acteurs. Mes modèles dans les acteurs, il va y avoir des Joaquin Phoenix, il va y avoir des Christian Bale. C'est des gars qui n'hésitent pas à se changer totalement physiquement. Donc moi, justement, c'est ça que je demande. Mais quel est le rôle que tu aimerais jouer ? Ton rôle de rêve, comme on dit. Alors, un de mes rôles de rêve, ce serait un méchant déjà. D'accord, mais un méchant, il peut... Un méchant, plus. Mais... On le transforme en Joker, voir. Ah, un Joker, ce serait génial, ça. C'est vrai, un Joker, ce serait génial. On ne le reconnaîtrait pas du tout. Un côté un peu schizophrène. Ça, j'adore. Complètement habité et tout. Ouais. Est-ce qu'être beau en 2023, ça vous donne un léger avantage dans les castings par rapport aux autres ? Je réfléchis un peu. Je vais dans mes... Non, je crois pas. Non. C'est vrai ? T'as trop réfléchi, là. Non, non, je pense mais que tu allais chercher allais du côté chercher où tu voulais inventer, non, mais en fait. Alors, après, ça dépend On t'a jamais dit que ton physique t'a avantagé dans certains rôles ? Non, jamais. Et alors, par contre, en France notamment, limite, c'est l'inverse. Je pense qu'en France, ça déjoue. Non, bon. Je parle sur le continent. Sur le continent africain, peut-être que c'est déjà plus mis en valeur et que ça joue peut-être un peu plus. Mais en France, non, pas du tout. Je ne sais pas, ici, il faudra demander au directeur de casting ou au producteur si ça joue sur leur choix. Moi, j'avoue, il y a quelque chose que j'aime bien chez Terrain, tu vois, c'est qu'il assume son côté beau gosse, tu vois. C'est pas la personne qui fait « Ah non, j'aime pas trop qu'on parle de ma beauté, j'aime pas que ça revienne. » Il assume carrément, tu vois, il joue le petit sourire, genre « Ah ouais. » Vous savez pourquoi ? C'est parce que quand j'étais petit, j'ai longtemps été timide et tout. Non. Et les gens me disaient « T'es beau » et moi, je disais non parce que j'avais vraiment une mauvaise estime. Ah, quand tu étais petit, tu refusais ta beauté. Moi, j'étais très introverti. Ah ouais ? On a dit non, il faut que tu assumes, Donc maintenant, je me force à assumer. Tu te forces à assumer. Voilà. Il se force à assumer maintenant. Et à quel moment tu as commencé à assumer ta beauté, dis-nous ? Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, genre ? Il n'y a pas longtemps. À partir de ? On va dire depuis 3-4 ans. Déjà, il nous cache ses yeux, tu vois, avec ses lunettes et tout. Les filles, tu veux qu'on termine l'émission ou pas ? Il enlève ou pas ? Allez, enlève les lunettes, allez, enlève qu'on voit tout. Allez, Terrain, enlève les lunettes. Attends, on va demander au public. Qui veut que j'enlève les lunettes ici ? Il n'y a que les femmes, il y a des hommes. Attends, mais tout le monde... Il n'y a pas beaucoup de monde. Mais bien, arrête. Qui veut pas que j'enlève ? Ah, il y a des traîtres en fait. Ouh, monsieur, alors. C'est ça, on appelle garçon de chez garçon, Woody à Woody. Et en parlant de Woody à Woody, il y a quelqu'un, il y a un Woody dans ce studio. C'est Nyaoré qui nous vient là maintenant, tout de suite, hein, pour un petit moment d'échange. Hein. C'est l'instant unique. Ah, mais c'est un peu comme souffler. Je suis un bête vraiment très joyeux, très content, très ravi et puis très heureux. Ah bon? Non, parce que là, je suis devenu très riche. Très, très riche. Imaginez-vous, pour la première fois, j'ai touché euro. Thierry, c'est pas petit euro. Alors, t'as gagné combien ? 10 euros. Ah bon ? Quoi ? 10 euros. 10 euros, ça fait combien ? Ah non, je suis riche. Ça fait 10 euros, ça fait 6 500, je crois. Oui, 6 500.
Tu vois, africain. Ou 6600, quelque chose comme ça. Déjà, j'ai devenu riche. Il y a un esprit de jalousie qui s'est réveillé. 6600. C'est quand un truc du style. 6000. Attends, je te donne le bon chiffre. C'est mon richesse. 6555 francs. Tu vois combien de garba même? Même pas 10 garba. Hein. En tout cas, si quelqu'un vient avec 6500 devant moi, et puis quelqu'un vient avec 10 euros, voilà, 10 euros est beaucoup que 6500. C'est vrai. Voilà. Bon, en tout cas, c'était un petit parenthèse, mesdames et messieurs. On va parler de quelque chose de très important. Vous savez, la semaine passée, on a parlé de remaniement ministériel, on a proposé un gouvernement. Là, on va parler maintenant de passation de SAS. Ouais, c'est très important, les passations de SAS. D'abord, qu'est-ce que signifie les passations de SAS? On va prendre passation d'abord. Il y a passe dedans. C'est quelqu'un qui fait la passe. C'est ça qui est passation. Tu vois un peu, là? Voilà. SAS, c'est quelque chose qui est lourd. C'est quelque chose qui pèse. En tout cas, en un mot, c'est un problème. Donc, passation de SAS, c'est quelqu'un qui prend ce problème pour donner à quelqu'un d'autre. C'est ça qui est passation de SAS. Maintenant, regardez par exemple les matchs amicaux des éléphants. Tout le monde fuyait son problème. Quand un il a baron, il donne à l'autre, il fait la passe à l'autre. Il prend, il donne, il parle, il fait la passe à l'autre. Parce qu'il connaît Bouche d'Ivoirien. Bouche d'Ivoirien, voilà, ça peut faire qu'il n'a pas participé à Cannes. Il regarde le match, personne ne veut prendre problème. Quand on lui donne le ballon, il dit tiens. L'autre, il prend, il dit tiens. C'est comme ça, le nouveau Premier ministre, il a fait, il a fait passation de SAS au nouveau Premier ministre. Et il y a un cahier de SAS qui est là. Le cahier de SAS, ça te permet de savoir où le Premier ministre il est arrêté, où toi aussi tu peux continuer. C'est comme ça, c'est très important. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi dans les foyers, il n'y a pas de passation de SAS. Non, ce n'est pas normal. S'il y a divorce, toi, une femme, ancienne épouse, tu es partie, la nouvelle épouse doit te chercher pour savoir le cahier de SAS. L'homme, il était comment? Ah. Parce que, il faut chercher à demander, il était comment? Là, si tu regardes dans le cahier de SAS, on peut te dire tout. Mais si tu n'as pas fait les passations de SAS, que tu t'es marié, tu es surpris que tu es tombé sur un homme qui est avare. Tu es surpris que tu es tombé sur un homme qui peut faire une semaine, il t'y cabriche là ou pas. Bon, là, c'est la faute de qui? Donc, il faut faire des passations de SAS. Réviser les cahiers de SAS, c'est très important. Même les filles, les passations de péril qu'il faut. Oui. C'est parce que c'est moi qui commande ce soir. Non, non, c'est toi qui commandes. Mais moi-même, je dirige. Toi, tu n'as pas de dents. Toi, tu n'as même pas de dents. Il y a un proverbe bête qui dit « Na ou ron ou digli, a da ou ron ou ridi. » Ce qui veut dire que je vois bagage qui est lourd, c'est Bella qui fait super. Je ne peux pas te mettre dans mon problème. Voilà. Maintenant, les passations de périques. Moi-même, mon petit sœur, quand elle prend une périque comme ça, peut faire un mois, il n'entretient pas. D'abord, la première semaine, il prend épingle, il va gratter. Deuxième semaine, c'est cure-dent qui est ici, il prend, il gratte. Troisième semaine, c'est pointe. Toi, la fille, tu ne connais pas, tu n'as pas réel le cahier de ça, tu ne sais pas comment c'est, tu viens, tu dis copine, tu peux me donner, tu peux me faire la passe de ton périple là. Je dois aller à un entretien de embauche. Elle est arrivée là-bas, bon, le propriétaire, le patron, il attend beau. Il dit, mais s'il n'y a qu'une construction à côté, on dit, il n'y a pas de construction. On s'en va, on ouvre les toilettes. La fille est dedans, elle est en train de gratter son tête. Un marteau, boum. Non. Même il y a la passation des habits. Oh, habits. Non, il y a trop de passations, vraiment, de passations des habits. Tu viens, tu dis, copie, vraiment, d'abord, tu vas habit, je vais le donner à mon couturier, va faire le même modèle. C'est moi, lui, correct. Ça me dit, il est d'abord, il a été de danser avec habit, là. Prends, c'est décidé. Toi, tu es un poutou, tu portes habit de skinny, ça ne fait pas marcher. Même les hommes, ils sont dans passation. Ah, les hommes, ils sont dans passation. Tu vois, un homme, il vient, il te dit, ah, vraiment, je dois aller frimer quelque part là-bas. Est-ce que tu peux me prêter ton voiture? Attends, dans le cahier de SAS, tu as dit que tu t'en vas à Cocody. Dja, il s'en va à Jacquesville avec une copine. Tu prends le voiture, tu t'en vas, tu fais accident. Et puis c'est lui, maintenant, il vient au retour, il prend, il est délabré.
Elle dit, il y a quoi? Elle dit, vraiment, faut m'excuser, je n'ai pas fait exprès. Ta voiture est vraiment, c'est tellement cabossé, c'est pourquoi je prie. Le propriétaire lui dit, ah, Dieu merci. C'est à quoi de ça tu prêtes? Ah, mais Dieu merci, tu n'es pas mort. Si tu étais mort, qui allait rembourser la voiture? Merci. L'instant unique donc à retrouver chaque semaine hein, dans la télé d'ici. Nous aussi, on a une passation de charge à faire, Sonia. Exactement. Évidemment, il faut qu'on la fasse, sinon on aura de gros soucis. C'est la passation de charge entre nous et la pub. On se retrouve juste derrière. À tout de suite. Amadi Touré, acteur et bien plus encore, et Kérosène qui effectue son retour aux sources et qui nous proposera des titres à la fin de cette émission. Terence avec qui on parlait sympathiquement avant la pub tout à l'heure, avant monsieur Fils Unique, c'est ça? Yes. Acteur et bien plus. Je sais qu'il y a le sportif, ouais. Mais le bien plus c'est pour... Il y a, il y a la voix off aussi. Ouais. Ouais, il y a la voix off qui est une pratique que j'adore. Mm-hmm. C'est donc je le fais de plus en plus là, donc la voix off, vous le savez, hein, c'est pour doubler des films d'une langue étrangère, mais moi je le double en français. Mm-hmm. Et donc je fais aussi beaucoup de voix off, ouais. Tu fais des personnages célèbres? Alors, pas beaucoup, si j'ai fait... récemment j'ai fait, dans One Piece. J'ai fait One Piece là récemment, c'était une super expérience, parce qu'en plus c'est une des séries qui cartonne le plus sur Netflix. Mais évidemment. Donc ça c'était top, je fais de plus en plus de séries américaines, mais j'ai fait une voix très connue au Sénégal, dans Maîtresse d'un homme marié. Tu le Cher? J'ai fait la voix de Cher. Bah bien sûr, Cher, tu me disais bien. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est vrai, je Donc la version qui passait sur les versions françaises, c'était ma voix. Donc voilà. Mais c'est énormément de temps en studio de doublage. Ouais, c'est énormément de temps et puis c'est très différent du. Comment on arrive à allier tout ça tourner en vrai en fait, ouais. Et tourner en studio. Ce qui est particulier avec le doublage, c'est qu'à la différence de quand tu joues, tu vas pouvoir répéter. Donc tu répètes ton texte avec ta partenaire ou ton partenaire. Alors que là, tu arrives, on va te montrer la séquence la une première rythmo. Fois. Donc tu dois tout mémoriser, comment il parle, sa gestuelle. Le mieux, c'est de regarder ses yeux souvent, parce que les yeux, ils parlent beaucoup finalement. Mm-hmm. Et puis après, on te le repasse une deuxième fois, en général. Et là, direct, tu y vas. Et tu dois essayer de rentrer dans ses lèvres. Là, je le dis vulgairement, hein, mais c'est beaucoup plus complexe. Tu vois. Si. Mais c'est vrai que c'est un métier, c'est une pratique complexe. Mais que j'adore faire. J'ai fait un peu de doublage, mais c'est ce qui m'a dégoûté à un moment. C'est la partie où je devais pleurer alors que je n'avais pas envie de pleurer, en fait, tu vois. Il faut que tu pleures vraiment quand le personnage pleure et tout ça. Il faut qu'on y croit. Il faudrait rigoler, en fait. Moi, mon truc, c'est ça, mais vraiment, pleurer, ce n'était pas mon truc. J'ai dû abandonner. Mais pourquoi? Elle passe son temps à rire. Mais oui. Ah, tu voulais pas être triste. Non. Mais c'est la seule personne qui va voir un réalisateur. D'ici, il y a un rôle de folle, je veux jouer parce que je veux pouvoir rire tout le... C'est ça. C'est vrai que je ne ris pas beaucoup. Hein. Terence, il y a aussi un dernier projet en date. Hein. Ben, il y en a pas mal. Là, je suis en tournage, justement, de sur Abidjan. Donc, je ne peux pas en dire beaucoup. Une série de quelqu'un qu'on connaît. Moi, je sais parce que j'ai fait des recherches. Est-ce qu'on peut... Si tu as fait tes recherches, ce n'est pas moi qui dis, donc je peux y aller. Oui, oui. Mène-nous dans la confidence, Sonia. Je ne sais pas si c'est un projet qui va passer, mais je sais que Lynn Jabeur prépare sa première série et c'est pour ça qu'il est là. D'accord. Allez, confirme. La fille est informée comme ça. Mais bien sûr, je sais que Sonia, c'est mieux cinéma. Elle maîtrise, elle connaît tous les rouages. Mais surtout, je sais qu'il veut passer derrière la caméra. Il aimerait bien devenir réalisateur. Ouais, ouais. Et donc, il est en train de préparer une série. Il est bien informé, ouais, effectivement. Long métrage, tout ça. Effectivement. Il va tourner au Mali. Voilà. Waouh, Sonia. J'ai bien fait mes recherches. Tu travailles bien, quoi. Merci beaucoup. Effectivement. Effectivement, ça, c'est une étape qui m'est chère, tourner au Mali. Ça, c'est sûr que je veux le faire. Maintenant, j'ai déjà écrit un long métrage, mais pour l'instant, je l'ai mis de côté. Et là, je suis sur une série que je suis en train d'écrire, qui est bien avancée. On est en train de bien discuter aussi avec les différents distributeurs et tout. Et là, l'idée aussi, ce serait de la tourner au Mali, si possible que je réalise quelques épisodes. Et ce serait dans le milieu des maraîchers. Ce serait
C'est quoi, un film d'auteur? Alors, le film, oui, ce serait un film d'auteur. Là, pour la série, ce serait entre le drame, mais avec beaucoup d'humour. Mmh. Avec beaucoup de protagonistes, des jeunes comédiens de toutes les couleurs. Et c'est pour mettre en avant et en valeur le Mali, en fait. Mmh. Voilà. Tu es malien, est-ce que tu parles un peu bambara? Moi, je suis plus du côté peul. D'accord, mais est-ce que tu parles foufoulde, c'est ça? Comme exactement, ça, oui, je parle un peu le peul grâce à ma mère, parce que ma mère est peul. D'accord, vas-y, dis un petit mot à maman. Alors, maman, jam wali, awali jam, korbas walema. Ok. C'était trop court. On sait pas, mais il a raison. Et tu sais un autre bien plus? Tu sais un autre bien plus de Terence? C'est quoi? Bah, c'était un danseur. Il était professeur de danse. N'est-ce pas? Voilà, donc so, on a envie de voir. On peut voir. On peut tester. Est-ce que tu as de bons restes? Si tu as de bons restes encore dans tes cordes. Ouh, ça fait. Allez, bon. Allez, on va voir danser. Aïe. Terence va monter sur la scène de la télé d'ici pour nous démontrer un petit peu de ce qu'il savait faire. Non, mais ça c'est fini toi aussi. Franchement, il y a de beaux restes. J'ai eu l'occasion de voir. Ah bon? Oui, à un festival. Il y avait une soirée, là, il dansait, mais on le regardait tous, on prenait des notes. C'est vrai? Cette fille est dangereuse. Bon, c'est comment? Très bien, alors normalement... Chacun connaît son travail? Ouais, chacun connaît son travail, Sonia. Chacun connaît son travail. Mais est-ce qu'il n'y en a pas qui peuvent venir? Tu sais même pas ce qu'on va te proposer. Mais tu sais, pour te faciliter même la tâche. Voilà, un troisième, voilà, on va être trois. Et vous allez me suivre, ok? Ça va être très simple. On va faire en mode... Pour te faciliter la tâche, on va te montrer une vidéo. Ok. Donc tu vas regarder la choré, il suffira de la reproduire. Je pense qu'ils pourront t'aider pour la première vidéo. D'accord. Donc on y va pour... Il y a du défi. Il y a Dieu dedans, de Didi B et Polo Chaka. Bon. Non, tu vas où? C'est pas encore fini. Ok. C'est pas échauffé. Ça, c'était échauffement. Mais bien sûr. Okay, bon, les gars, repartez avec lui. Venez. Vous êtes avec moi jusqu'au bout, hein, maintenant. On est dans la galère. Hein. On y va pour la deuxième chanson. Okay. Non, la première. La première, donc on y va pour Didi B, Polo Chacal, y a Dieu dedans. D'accord. On ramène la vidéo pour qu'il puisse danser dessus. Alors, d'accord, ça c'est toi pour t'échauffer, okay. C'est bon, tu as la première danse. On y va pour... Non, ça là on regarde, moi je ne peux pas prononcer. Ça c'est quoi? Donc on y va pour... Et il y a un changement entre temps. Ça s'appelle Zlopoto. Ok. Donc on y va pour Zlopoto. Voilà. On t'a pas vu danser, en fait, mais... On t'a pas vu danser. Le dernier... Mais est-ce que tu disais quelle danse je faisais, moi? Je ne sais pas qu'on va remettre le Zoropoto. Terence a beaucoup fait plus le malin qu'il n'a dansé. Remettez-nous le Zoropoto, Terence. Ah, bon, toi, c'est toi qui vas venir ici. Faut qu'on voit. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Allez, musique. Vous voulez voir quoi, moi? Zoropoto. Et ton fils...
En fait, il demande si je savais. Il est plus Kizumba, Zouk, toutes les danses où on se colle. Donc, fallait pas. Si on te donnait ça, ça allait être trop simple. Mm-hmm. Donc, la dernière danse, c'est Sabao Saba. Ça, techniquement, tu devrais y arriver. Ah bon? Okay. Ouais. Diano Nestor. Transition. Maxime. L'homme a tout fait du super Wafiato. Ça, c'est quoi, ça? Comment ça s'appelle, ça? Sabao Saba. Sabao Saba, OK. Donc, on y va? OK. Donc, je vais à ma sauce, quoi. Mais c'est ce que tu fais depuis, en fait. On y va. Diano Nestor. Transition. Maxime. L'homme a tout fait du super Wafiato. J'ai un truc, je suis un peu exigeante quand même, Terence. Mm-hmm. Tu veux aller faire du kizomba avec lui? Je veux vraiment qu'il fasse du kizomba. Non, je veux. Mais moi, je ne sais pas le kizomba. Alors. Là, c'est dans sa deux. Hein, alors, tu peux aller là, tu avais fait un sans faute. Alors, est-ce que la Tibane peut nous faire un petit kizomba? Terence va nous démontrer, parce que là, on lui a montré ce qu'on sait faire chez nous. Il va nous montrer ce qu'il sait faire, un peu de kizomba. Alors, je rectifie. Hein. Moi, c'est pas kizomba. C'est quoi? Non, moi, j'ai fait modern jazz, zumba. Zumba, ouais, c'est vrai. Bachata. Zumba, bachata et kizomba, c'est dans pas le genre. Si éloigné. C'est pas les mêmes pas. Mais c'est pas c'est si. C'est pas les mêmes pas. Mais tu te débrouilles en qui. Voilà, allez. Sauf si tu veux bachata aussi. Hein. Mais du coup, c'est à deux, hein, ça. Oui, c'est mais Audric et Axel et toute la T-Band, j'ai des talons de 15 cm. C'est ça. Toi, tu peux. Allez, Sonia. Sonia. Mais ménager doucement, monsieur. Mm-hmm. En plus, on a sorti. C'est vrai. C'est bon, la T-Band? Mais on danse! Ah, c'était très bien, franchement. Bravo la Tibane, merci beaucoup. Mais toi, tu as bien esquivé, quand même. Comment? Tu as bien esquivé. Mais je sais pas. pourquoi vous faites ça, franchement? Par contre, il y a une chose que je peux pas esquiver ici. Tu sais, Terence, c'est quoi? La pub. Avec tout à l'heure la danse très très kizombadesque, c'est ça, non? De Terence et de Sonia, on a été rejoints entre-temps par l'élu, le seul,
Kérosène. Bonsoir Kérosène. Ouais, ça va bien. Ça fait combien de kilos ce que tu portes là? Je pense 10 kilos. Quand même? Ajouté à ton poids normal, ça doit faire 88 combien, kilos. 88 kilos quand même. Et j'imagine que ça va pas être facile de tenir cette conversation pendant longtemps. On va essayer. T'as chaud? Non, ça va. Tu veux qu'on augmente un petit peu là? Non, la salle est climée, il n'y a pas de problème. Ah, tranquille. Hein. Kéro, Kéro. Ah, Kéro, la légende. L'élu. Est-ce qu'il va bien, tonton Ouaregabi? Tonton Ouaregapié. C'est Ouareg. Comment on dit? Tonton Ouaregapié. Ouaregapié. Sinon, c'est Ouaga, non? C'est Ouraga. Ouraga. Ah, d'accord, ok. C'est Ouraga. Ouaregapié. Alors, c'est le chef de canton d'où ça? C'est le canton de Nekedi, de chez moi. D'accord. Ah, il est de Nekedi. C'est un vrai chef, oui. Il est devenu une légende aujourd'hui. Depuis Belle Lurette. Ah, il en est une. On ne parle que de lui, finalement. Oui. À Zigbo. À Zigbo. 1 million de vues en 72 heures seulement. On rend la gloire à Dieu. C'est le signe de quoi exactement? Tu penses que c'est quel message qu'on te renvoie en visionnant autant en très peu de temps? Je pense que c'est un signe fort pour l'appellation même de l'album qui est Puissance 10. Mm-hmm. Le 10 étant la marque de l'accomplissement, de la complétude. Je pense que, sans être prétentieux, hein, mm-hmm. on a essayé de faire ce qu'il faut. Quoi. Très bien. Être à Zigbo, ce n'est pas un vain mot, c'est un... Être un bété. Ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Oh. Que dire? Que dire après ça? Il faut que tu naisses soit américain, soit bété, c'est ça? Oui, soit tu nais. Et toi, tu dois te battre avec Lil J de Benjerac. Hein? Ah ouais, parce que non. Lui, il dit, il faut être américain, il faut être baoulé. Non, c'est nous qui créâmes ce slogan. Clairement. Vous en eûtes la paternité. Exactement. Et personne ne doute de ça. Personne. Bah, tu es carrément. C'est à croire que la ville de Gagnoa et les BT en ce moment, c'est un bon fonds de commerce. Ah bon? Dès que tu dis Gagnoa, on dirait que c'est non, très... Non, mais Gagnoa, en vrai, c'est la capitale de la musique ivoirienne. Mm-hmm. Parce que tout naît à Gagnoa. Mm-hmm. Le Zouglou. C'est bien que sûr, tu vas-y, voilà. Toutes les musiques en BT, ça coule. Le Zou. Le Gagnoa. Mais par contre, j'aime bien le fait que tu renvoies aussi à d'autres capitales pour ne pas oui. faire de jaloux. C'est ça. Tu as fait le tour de la Côte d'Ivoire touristique. Ouais. Tu as parlé de chez moi, la chanson, de Congo, la Côte d'Ivoire en miniature. De Grand Bérébi mm-hmm. et tout. Pourquoi ce retour aux sources carrément? Parce que c'est vrai que ce n'est pas autant différent de ce que tu faisais auparavant. Mm-hmm. Mais là, c'est vraiment un changement un petit peu radical quand même. Je voulais faire plaisir à ma mère, qui me disait depuis des lustres qu'il fallait que je chante en BT. Mais vraiment. Donc, cette chanson est en hommage à ma mère d'abord et à toute la Côte d'Ivoire. À présent, je vais faire plaisir à tous ceux qui adorent la magie. Est-ce que tu aimes la magie? C'est quoi la magie? C'est bon, c'est quoi la magie noire, la magie blanche? Non, non, la magie. Tu sais, la magie, quand non. on voit des tours de magie, ainsi de suite. Les tours de magie. Vous en avez déjà vu? Oui, j'ai déjà vu. Non, d'accord. On a ici un magicien, le mécène, notre mécène de la magie va venir vous démontrer, va venir vous jouer des tours. Dans LTI, vous joue des tours. Exactement. Bonsoir, mécène. J'espère que vous allez bien. Il posait une question, magie blanche ou magie noire? Ça dépend. Ça dépend, c'est qui? De qui, qu'est quoi? Toi, t'es blanc. Ça dépend, c'est qui, à qui je fais le tour. Bah, lui. Avec vous deux, mais je pense qu'aujourd'hui, vous allez prendre cher. Ah bon? Bon, mais toi aussi, comment tu commences ton avis, là? Non, c'est flippant, ça. Je parlais pas au sens figuré. Je dis, ils vont prendre cher. D'accord. Il y aura de l'argent? On verra. C'est une méthode. Ça, c'est bien. Yes. Avant de commencer, je vais prendre ici la calculatrice. Mm-hmm. OK? Vous allez me donner 4 chiffres, ce que vous voulez. 4. 4. 8. 8. Non, c'est lui d'abord. Ah, c'est que moi. Ouais. 3, 7. 3. 7. 7. Ouais. Je vais multiplier. Kérosène, donnez-moi 4 chiffres aussi. 21, 33. 2, 1, 3, 3. 21, 33. Multiplié. Ne bon. Donne pas de lire ça, hein. Moi, je fais les littères. Je vais reprendre. Mmh.
Bon, je vérifie un truc. Ok, on va reprendre. D'accord. Donne-moi 4 chiffres. 4, 8, 3, 7. 4, 8, 3, 7 multiplié par 2, 1, 3, 3. 2, 1, 3, 3 multiplié. Glisse, écris deux chiffres, mais il ne faut pas qu'un voit. Appuie sur deux chiffres seulement. Et puis appuie égal. Là, on a un long chiffre. Là. Oui, complètement illisible. Il faut déposer le téléphone devant toi. Je ferme ou je... Non. On aura besoin du chiffre, là. D'accord. Ici, j'ai une enveloppe qui est vide, c'est clair. Regardez bien. Regardez très bien. À respecter la jarre. C'est vrai bien. Vous pouvez vérifier. On va voir. C'est vrai, ouais. Fallait donner aux femmes pour vérifier. Non, ça sent là. Ça sent là. Non, ici, ça va arriver là-bas. Oui, oui, oui. Allez voir. Faut que ça revienne. Ça. Mais l'argent doit revenir, hein. C'est bon, hein. Okay. Ça blesse même, c'est nouveau. Bon, il faut garder un peu, parce qu'on a un long chiffre ici. Oui. Vous avez donné les chiffres vous-même. Oui. On ne peut pas savoir qu'est-ce qu'elle est sortie ici. Il faut lire les chiffres à haute voix. 2. Oui, oui. 9, 0, 7, 9, 8, 1, 15. Je lis le E au milieu. Ah non. Là, bon, là, il y a eu une suite... Oui, oui. Bizarre. On va reprendre le calcul. Mais cette fois-ci, vous allez donner deux chiffres, deux chiffres, deux chiffres. Chacun. Deux chiffres. Okay. Très bien. OK. On commence ici, oui. 7, 6. 7, 6. Multiplié. 7, 7. Madou Negue. 7, 7. Multiplié. Donne-moi deux chiffres. 18. 18 multiplié. Il faut taper deux chiffres. Personne n'a qu'à voir. Mais okay. Ça fera toujours le ED hein, sur téléphone. On verra. Ça dépend du nombre de chiffres qui va sortir. C'est bon? OK. J'appuie égal. Ici, on a un long chiffre là. Là, c'est bon. Okay. Il n'y a plus d'exposants. Okay. Il faut lire. D'accord, je lis. 2, 8, 1, 8, 5, 4, 6, 0, 1. OK. Chaque billet a un numéro de série. Bien sûr. Le numéro de série, c'est, je pense, 11 chiffres, c'est ça? Là, on a 9. Regardez sur le billet, laissez les deux premiers chiffres et regardez les 9 derniers chiffres. 28, 18, 54, 601. C'est ça, c'est exactement ça. Med. Non, mettez à côté les deux. On vient. Voilà. Il est là. Aïe. Comme ça, devant moi, non, comme mais ça. C'est ça hein. On voit mes scènes, faut qu'on voit. On le voit ou pas? Allume l'écran. Waouh. Mais là, il revient à qui le billet de 10 000 parce que c'est ça la vraie question. Tu pars pas avec. Non, si. Arrête, mais tu nous as fait travailler, cette tu dois nous payer. Je repars avec, tiens. Mais tu repars toujours avec. Juste pour rappeler, ça, c'est l'échantillon. Hein. Ah ouais? Ah, il y a moyen d'avoir. C'est moi qui pensais que le Giacomo allait sortir en taille. Non, mais c'est ce qu'il a dit. Maintenant qu'on a fait pour l'argent, vous voulez beaucoup, quoi. C'est bien sûr. Il y a feuille. Attendez. On le refait quand? Tu vas faire. J'ai dit ça, c'est échantillon. D'accord, OK. Attendez, vous allez voir. Les jours vont venir. Vous allez voir. Merci, mécène. La chanson Azigbo est une véritable magie. Je ne sais pas si Terence la connaît. Laquelle? La chanson de Kérosène. Déjà, tu connais Kérosène? Ah oui, mais j'adore. Laquelle de ses chansons? Moi, ma préférée, c'est celle qu'on entend depuis tout à l'heure, là, l'élu. Ah non, c'est pas l'élu. Celle de tout à l'heure, c'est Azigbo. Ah non, oui, l'élu. Ah oui, c'est vrai, avec Didier Drogba et tout ça. Très bien. Ok, Rosane, tu connais Terence?
Il y a le OMS. Mais là, je le connais, je l'ai déjà vu. Dans un film, il est acteur. Dans pas mal de films en ce moment. Il est en Côte d'Ivoire pour tournage, ainsi de suite. Et Kérosène effectue son retour aux sources avec une chanson, Azibo, qui fait la promotion d'une ville de Gagnoua, que tu connais peut-être. Oui, oui, je connais. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, ouais, de nom, ainsi de suite. Le centre-ouest. Centre-ouest, voilà. Nous, on se met tous ensemble, on dit l'ouest. Alors, Kérosène, on a fait de la magie tout à l'heure. La magie, elle opère avec cette chanson. Okay. On a parlé de 2 millions de vues, mais aussi l'accueil chaleureux des populations du centre-ouest, justement, où tu as été. Oui. Quel était le moment le plus mémorable pendant cette visite? Le moment le plus mémorable, je dirais, quand arriva la pluie, une pluie battante, est sorti de la foule un monsieur qui, disait-il, voulut arrêter la pluie. On avait besoin sérieux. De lui au stade. Non, sérieux. Il dit non, Kérosène ne peut pas arriver dans son village et puis la pluie va venir mettre la honteuse. Séance tenante, il a pris un verre de boulet, il a appelé je ne sais pas qui. La pluie ça, s'est arrêtée tout d'un coup. Waouh. Mais il devrait venir pour la Je profite pour dire merci à ce village-là, Nyabodounouan, c'est une sous-préfecture. C'est à côté de Gagnoua, en fait, c'est en allant à Gagnoua. Franchement, l'implication du village était totale, que ce soit les chefs, les mamans, les enfants, tout le monde a mis sa patte. Franchement, je leur dis merci. Merci beaucoup. Et l'histoire que je viens de raconter n'est pas la seule autour de cette chanson. Il y a aussi l'histoire du pagne. Qu'est-ce que c'est cette légende du pagne? Il était une fois un pagne dont tout le monde réclame finalement la paternité. La paternité. Explique-nous tout ça. Bah, enfin, non, mais celui-là, il est bêté, c'est l'autre. Oui, oui, c'est le pagne, ça fait appeler, se fait appeler Allons à Gagnoua. C'est pas moi qui ai créé ça. Tu vois, depuis belle lurette, je pense que tous nos parents mettent ce pagne. J'ai vu un reportage de NCI même, NCI Report, qui parlait des godiers. Que c'est de fresco. De fresco. J'ai vu aussi une maman Dida. Mais il faut savoir que le pagne est. Certifié Dida. Ça, on ne va pas le... Mais c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est la Côte d'Ivoire. Je veux dire que si un enfant de Gagnoua fait la promo d'un pagne Dida, on doit être tous fiers. Franchement. Le pagne. Alors, Kérosène, tu as complètement raison de faire la promotion de la Côte d'Ivoire culturelle. Oui. Le pagne, les personnes qui sont très, très enthousiastes quand elles te voient justement sur cette chanson, les différents challenges, et puis bien sûr le clip de cette chanson, magnifique clip, dont on va voir tout de suite l'extrait. Là, maintenant. On dit dans la vie, tu n'es pas bébé, faut avoir un ami bébé. Tu viens en Côte d'Ivoire. De la musique. Sont très positifs sur cette chanson. Yes. Tu vois, il y a une pluie de critiques positives autour de cette chanson. Un vrai bété dans la chanson. Il a démarré avec du cuit au début, parce qu'un vrai bété, c'est ça. Quand il voyage, il revient avec du cuit. Exactement. Et puis ensuite, et tu fais honneur au peuple. Merci beaucoup. Faut que la Côte d'Ivoire sache que le cuir fait désormais partie du patrimoine vestimentaire des Beatles. Des bétés. Merci. Franchement. Est-ce que tu t'attendais à autant de réactions positives ou est-ce que tu as été un petit peu surpris parce que les gens ont vu cette chanson une vraie performance en fait? C'est ça. Non, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir et je m'y attendais pas forcément. Moi, j'ai chanté avec le cœur. Retour gagnant, finalement. Ouais, merci. Ça sera ambiance. Moi, vas-y. Vas-y. Non, je voulais demander, ça sera ça la coloration de puissance 10 où on va avoir plusieurs Non, gens. C'est un mélange. C'est un patchwork c'est un, de... Ouais, exactement. Est-ce qu'il y a des feats? Oui, il y a des feats. Ah, Magic System, Awadi, Chanel, Suspect. Ouais. Donc à chaque fois, tu les ramènes dans ton univers ou tu vas dans le leur? Qu'est-ce qui va se passer?
ou un brassage. Un brassage. OK. Oui. Il y avait une très bonne ambiance dans le studio d'enregistrement chez Chama Prod avec le groupe Connexion. Pourquoi Connexion, le choix de Chama Prod de Serédier et Connexion rapidement? Oui, parce que Serédier a son studio d'enregistrement qui était, je dirais, peut-être méconnu du public. Mm-hmm. Donc moi, je l'appelle un jour, je dis, mes frères, tu as où? Il me dit qu'il est au studio. Je dis, bien, je viens enregistrer une chanson comme ça. Il dit, ah ouais, je viens. Et il y a eu la bénédiction avant le démarrage. On a compris pourquoi tout ça s'est super bien passé. Ouais. Kérosène, il y a ici ce qu'on appelle chacun connaît son travail. Avant que tu n'arrives, tes reins s'y étaient collés. Là, maintenant, c'est ton tour. Et c'est Sonia qui va piloter tout ça. C'est vrai? Okay. Chacun connaît son travail de Kérosène. On va t'inviter. Bah oui, c'est ça. On va sur la scène. Sur la scène de la télé d'ici. Mais avec tout ce qu'on a attiré, je sais pas, on va laisser la canne avec ici. Avec tes 10 kilos en plus. Non, c'est doublé. Tu peux me laisser la canne si tu veux. Je garde, regarde. Okay. Elle est sacrée, la canne. Ah bon? Les femmes ne touchent pas à ta canne? Elle peut me toucher. Bonjour. Bon, Kérosène, on va pas le tester en danse, on va le tester en chanson. Vu qu'il nous a annoncé que sur l'album, on aura un patchwork. Je suis un grand danseur. Hein. C'est vrai? Ah, donc on peut faire Zolopo Tortilla danser? Essaye à voir. Ah, Régis, ici, sur le pote, là, il va montrer à Terence comment on danse. On ne pourra pas voir derrière son grand pagne et tout. Mais c'est ça. Vrai, derrière son grand pagne. Ce qu'on va faire, c'est plutôt. Tu vas choisir un titre et tu vas nous reprendre ça sur différents genres. Okay. Donc, laquelle de tes chansons, pardon. Lequel de tes titres tu aimerais reprendre? Victoire, vous voulez? Ou bien appelez-moi l'élu, ou bien Drogba. Là, son micro. Victoire, je suis à le micro. L'élu, hein, je pense. L'élu? Oui, l'élu. Victoire? Okay, Victoire ou l'élu? Bon, Victoire, Victoire. Victoire, OK. Donc, Victoire, tu vas nous reprendre Victoire sur du zouk. OK. On y va. C'est bon? T'es on y prêt? Va. Let's go. On va essayer. So. Yeah. Quand je pense à mon passé, je mets genoux à terre pour dire merci à Dieu. Iolélé, 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 oh oh, ma vie a changé. Iolélé, 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 ma vie a changé. D'accord. Je crois que cette chanson, on la connaît tous, la chanson de Dora l'exploratrice. Vois ce que tu peux faire dessus. Dora. Oui. Tu lui Dora. OK, on y va. À la salsa. Quand je pense à mon passé. Quand je pense à mon passé. Je mets genoux à terre pour dire merci à Dieu. Je mets genoux à terre pour dire merci à Dieu. Yo, 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 yo. Bravo. Et pour boucler la boucle, si on faisait du rap, voir. Ouais, ce serait bien. Allez voir. Non, du rap. Rap. Je me suis rendu un jour dans une boîte de la place. Tout était mais cool attends, avec Baba peux... Cool. Mais on n'a pas dit freestyle, on dit rap, donc on va jouer. Ok, on y va. Ah, en plus, elle suit ce titre, ça va. Yo. Yo. Quand je pense à mon passé, je mets genoux à terre pour dire merci à Dieu.
pour tout ce qu'il a fait pour moi. Yeah. Quand je pense à mon passé, je mets genoux à terre pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Alors là qui faille boko faille ma sije, alors là qui faille boko faille ma sije, alors là qui faille boko faille ma sije, alors là qui faille ma ka faille ma sije. Franchement, c'était très bien. C'était très bien. Allez, restez avec nous. On revient pour la toute dernière partie de cette émission. À tout de suite. Avec Terence Amadi Touré, qui a pas mal de projets dans la tête, des marmites au feu, des films, des longs métrages qu'on a hâte de revoir finalement. Un dernier mot, peut-être sur ces projets-là, sur ce qui est à venir. Qu'est-ce qu'il faudrait retenir finalement de ton passage ce soir ? Ben, déjà, je vous remercie de m'avoir invité. Franchement, j'ai passé un super moment. Moi aussi. Donc là, je suis en tournage, effectivement. Je pense que ce sera un projet dont vous allez beaucoup entendre parler. C'est réalisé par Boris Houé, un grand réalisateur ivoirien. Et puis, je vais voir aussi, parce que vu que je suis là, je suis nommé à la NISA. Et me dis, rien ne se fait par hasard. Donc, si je suis là, je pense que je vais assister à la cérémonie aussi. Donc, la NISA. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous à la NISA, quoi. Ouais, super. Voilà. On espère que tu passeras un très bon séjour. Merci beaucoup. Merci, Terence. Sonia, merci. Merci. On se revoit demain. Bah oui. Merci, le public. Et puis, on l'a dit depuis tout à l'heure, retour aux sources activées pour Kérosène, le seul élu Kérosène qui revient tout en puissance avec un chiffre qui lui en donne tout le pouvoir, le chiffre 10. Et évidemment, un titre, une chanson qui fait un tabac, comme la plupart de ses titres d'ailleurs. Il est abonné au tube, au chart. Ce soir, il nous reprend Azibo. Il nous reprend aussi l'élu Kérosène sur la scène de la télé d'ici. Right now! Yes, ils arrangent là tout le contrôle. Applaudissez pour vous. Entre nous qui crûmes et vous qui doutâtes, lesquels a eu raison? Équilibré! Équilibré, on y va les gars, c'est parti! Et ma dobre prod, grand morceau. T'as la vie à ceux qui gagnent et à ceux qu'on appelle les champions. C'est ça, on dit, on est ensemble. Mais à Tito, on n'est pas mélangé. On peut avoir le même boulot, le même salaire, mais pas les mêmes étoiles. On peut habiter le même quartier, mais tu auras l'impression que c'est chez moi, c'est le soleil. Appelez-moi le lion.
fait. On a rien fait. On a rien fait. Nous, on a rien fait. Si on est devant, c'est grâce à Dieu. On a rien fait. Dieu bénit ceux qui pensent. On a rien fait. Maman, nous prend coucou grand pour ça. On a rien fait. Y'a le Didier. 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 Trop parole, lui. On a rien fait. Tu m'as saillé, béni de Dieu. La vie, c'est les étapes au travail. C'est un peu, quand t'es bien quelqu'un. Papa, mais des quoi, coup, grand travailleur. Appelez-moi le lion. Le lion. Appelez-moi le lion. C'est Dieu qui m'a choisi. Dans la vie, si tu n'es pas bêté, aie au moins un ami bêté. Faites à tout à vos amis bêtés. Les bêtés, faites à tout à vos amis. Faites à tout à vos amis. Faites à tout à vos amis. Glisse, fais à tout à ton ami bêté, ça fait rien. Voilà, voilà. Est-ce que vous êtes prêts pour un Zibo? Est-ce que vous êtes prêts pour un Zibo? On y va, c'est parti, les gars. On y va, tout le monde. Après allons danser dans la capitale de la musique. Tango, 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 assis pour s'y passer. Tango, 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 assis pour s'y passer. Aya tango ni karima. Zigo, 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 Zigo
Ce programme vous a été présenté par Lonassi Online.